Bon, cela, c'est bien. Attention. L'ouverture des scores de l'équipe de Garges par le numéro 89, Vincent Sorez. Ah, c'est bien joué ça de la part de Garges. Hein. Il a pris le rebond. Ouais, personne. Rebond. Aucun Rouennais n'était sur ce joueur. Ils en ont tout de suite profité. Hein. Ah, c'est dommage. Premier but encaissé pour moi. Là, Bastien a eu du mal à trouver le palais au sol. Mais bon, faut rester concentré. Le roller hockey, ça peut aller très vite. Le hockey en général, il y a beaucoup de buts dans un match. Oui, le changement psychologique peut varier d'une équipe à l'autre sur une action. L'équipe de Garges qui perd du temps. On met en place le jeu. Attention, les joueurs étaient dans la zone du gardien. Le but du côté de Garges. Le deuxième en supériorité pour Garges. Et oui, un très bon slap shoot tout en puissance. Que Bastien a pu arrêter, c'est vraiment bien joué de leur part. Ouais, c'est le deuxième but en deux infériorités pour Rouen. Hein. Donc Garges puissant en supériorité numérique à l'image de ces deux buts. Ah, on voit vraiment le slap shoot était très très puissant. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Bastien avait vraiment du mal pour l'attraper. C'est bien fait. Oh, Mathieu Bertrand qui n'a pas réussi à passer le joueur. Il s'est récupéré. Attention. Oh. Et le but de Garges. Alors le palais a dû rentrer. Là par contre, Bastien, je ne sais pas pourquoi, n'a pas réussi à avoir ce palais. Elle ne devait pas très bien coller au poteau. Je sais pas, mais c'est vraiment un but qui coûte cher au Rouennais. Ah oui, parce que là 3-0, ça note et ça l'est. Ça va être dur de remonter, hein, franchement. Là pour l'instant, les joueurs de Rouen qui sont, sont un peu abattus par le score. Hein. Ils ont pris beaucoup de buts en 10 minutes. Hein. Ah oui. On continue à faire jouer le palais. Ça accélère du côté de Rouen. Les Koupsik qui débordent. Oula, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Oh, quel but de Jakubčík. Oh, il est vraiment pas mal. Hein. Ah oui. Oh, je sais pas d'où il sort ce palais, mais franchement. Ouais, très beau but de Jakubčík. Hein. Il arrive à faire la différence sur une très belle feinte. Il élimine son adversaire à prendre un contre un contre le goal. Il place le palais dans la lucarne. Ouais, les supporters qui applaudissent Jakubčík. Ah oui. On voit que là, ça fait du bien à l'équipe de Rouen, je pense. Daniel n'a rien pu faire sur ce tir frappé de Jakubčík. Ouais, franchement. Beau palais en pleine lucarne. Ouais, il a vraiment très très bien joué le palais. Hein. Ah oui. Tout de suite. Le palais tourne vraiment vite du côté de Jakubčík. André Schneider. Bon, Mathieu Bertrand la passe. Le slap shoot. Et le but. Ouais. Oh oui, quel but de Jakubčík encore. Un super slap shoot là. Oui. Ouais. But de Jakub assisté de Mathieu Bertrand. Ah ouais, Mathieu Bertrand là, il a fait une super passe. Hein, Jakub. Oui. Il n'avait plus qu'à armer. Oh ouais, très 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 bon shoot de Jakubčík là. Hein. Ouais. L'équipe de Rouen qui revient à 3-2. Hein. Ah oui. Tout est encore possible. Il y a Koupsi qui redonne encore un but pour son équipe. Et de l'espoir, surtout de l'espoir. Oui. Pour l'équipe de Rouen et pour tous ses supporters. Voilà, rien n'est fini encore. Hein. 3-2 dans ce match. Qui va faire ressortir le palais. C'est bien joué. Ah, il va accélérer. Oula, attention. Là, je parle joueur de Garges. Oula, et le but. Ah oui, le but là, oui, là, c'était vraiment très difficile pour le joueur, pour le gardien de Rouen là, d'avoir le palais. Sur une erreur individuelle. Du joueur de Rouen qui a voulu tenter le grand pont, mais que Martin Fiala l'a senti, a repris le palais et a dribblé le gardien, a dribblé Pastiéral. Oui, hein. Ouais, il peut un bon tir en lucarne, sans assistance, vraiment un très beau but.